Thomas. Bonjour Emma. Tu vas bien ? Ça va très bien. Je dois t'avouer quelque chose. Vas-y. Je t'ai découvert hier. Hier ? J'étais en train de surfer sur le net et puis on parle, je sais pas, je lis quelque chose sur toi, je dis mais qui est ce type que je ne connais pas ? Donc je vais voir ton site, oui. Je découvre mille et une photos sexy de toi, des vidéos où t'es à poil, je me dis mais mon dieu, mais qui est ce type ? Et aujourd'hui, le lendemain... Tu me croises à cette soirée. Je te crois. Alors il fallait quand même que je te saute dessus, parce que je voulais quand même avoir quelques explications sur qui est ce Thomas que je ne connaissais pas. Ce Thomas est un comédien, en fait, à la base. Oui. À la base, hein, il s'est perdu. Oui, non, il s'est... Enfin, j'ai commencé en fait à être tout dans des séries pour M6 à 17 ans. C'est là, la famille, oui. Voilà. Tu n'étais donc pas majeur lorsque... J'étais pas majeur, j'étais nu. Ouais, voilà, donc c'est un peu... Voilà. Et donc, puisque tout le monde me réclame la question, est-ce que tu peux montrer à quoi ressemble 4 ans plus tard ton corps? Tout le monde l'a vu à 17 ans et que nous sommes ici seuls. Non, je peux pas. Un bouton, voilà. En tout cas, je peux vous dire que les poils ont poussé depuis. Oui, ah oui, voilà. Ah. C'est un peu le seul truc qui a... Voilà, les poils ont poussé. J'ai 21 ans maintenant, je tombe majeur dans tous les pays du monde d'ailleurs. Que les États-Unis, c'est génial. Et oui, donc voilà. Eh bien, écoute, ce fut assez prude. Je pense que tu ne l'oublieras pas. Et que la deuxième, tu seras un peu plus à même. Peut-être un bouton en plus pour la deuxième. Un bouton en plus. Oui, voilà. Moi, je te rends une bise. Voilà. Bon, ben, merci. De rien. Au revoir. Ce fut drôle, ça fait plaisir. Au revoir.